Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter Munchausen, les machineries de l'imaginaire, une création du metteur en scène Hugo Bélanger qui nous a offert le tour du monde en 80 jours la saison dernière. Avec ce spectacle, le théâtre Toutatraque nous invite à suivre le plus grand fabulateur qui soit, un homme capable d'affronter tous les dangers et dont la plus grande force est sans conteste celle de nous faire rêver. Le baron de Munchausen est un officier allemand qui a réellement existé au 18e siècle et dont les exploits ont été publiés sous forme de récits fantastiques. Hugo Bélanger, fasciné par ce personnage, a aussi tenu à rendre hommage à la compagnie de théâtre Gallimard et fils qui, pendant près de 200 ans, a présenté sans relâche les aventures du baron de Munchausen. Public adoré! Nous vous remercions d'être ici ce soir et d'avoir fait fi de ces vilaines rumeurs concernant la soi-disant fermeture du théâtre Gustave. Nous vous assurons que d'ici quelques instants débutera tel que prévu le spectacle des aventures véritables et véridiques du baron de Munchausen. Le spectacle créé par Bélanger nous plonge au cœur de la toute dernière représentation donnée par la compagnie Gallimard alors qu'un événement imprévisible et hors du commun se produit. C'est alors que l'on plonge dans le fabuleux. Voyage sur la Lune, visite au centre de la Terre, vol sur un boulet de canon. Vous avez parlé du petit défaut de voyager sur un boulet de canon. Et quel est-il? La C'est un spectacle qui nous entraîne dans un univers fascinant et qui fait appel pour notre plus grand plaisir à notre cœur d'enfant. La grande Catherine de Russie! La grande Catherine de Russie! C'est n'importe quoi! Elle a été enlevée par le grand truc! Le grand truc! Truc, quel truc! Refusant de l'épouser, il menace de l'exécuter! L'exécuter? L'exécuter! Il faut faire quelque chose! Quelque chose! Quelque chose! On se calme! On se calme. La réputation du théâtre Toutatraque n'est plus à faire. Hugo Bélanger a d'ailleurs collaboré avec l'Opéra de Montréal et le Cirque du Soleil pour d'autres projets. Fidèle à son habitude, il jumelle plusieurs formes théâtrales. Jeux d'acteurs, jeux masqués, théâtre dans marionnettes, acrobatie aérienne, tout est mis en œuvre pour nous entraîner dans ce voyage fantastique. Un spectacle dont on ressort ébloui.